salariés, au lycée Wittmer ou ailleurs, respect des 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 salariés. Voilà, donc on est devant le lycée Wittmer à Charolles, dans le 71, pour dénoncer la souffrance des agents du conseil régional, des agents d'entretien, des agents de cuisine, de restauration, qui sont soumis à une pression et à une souffrance au travail. Et justement, il y a la RH qui doit passer, faire un audit, et là, on est là pour soutenir les agents qui sont en souffrance et dénoncer ce management par la peur. Et ces façons de parler, d'hurler sur les gens. Et les gens ne doivent pas aller au travail avec la boule au ventre. Donc nous, on est là pour dire aux agents qu'on les soutient lors de cet entretien, donc de cet audit, et que c'est le moment de dénoncer leurs conditions de travail qui sont complètement inacceptables, de dénoncer la façon dont ils sont maltraités au jour le jour par leurs responsables. Donc voilà, donc nous on est là pour dénoncer ça, et il y a quelqu'un du lycée qui est venu nous dire que de quel droit on était ici, mais nous on est un syndicat, on est là pour défendre l'intérêt des agents du conseil régional, des salariés, et on va continuer. Au lycée Wittmer ou ailleurs, respect des salariés, 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 respect des salariés, au lycée Wittmer, respect des salariés, au lycée Wittmer ou ailleurs, 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 respect des salariés. Non, ça va pas bien, justement, c'est pour ça qu'on est là. Ouais, mais voilà, nous on soutient juste. Il y a un audit de la DRH du conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, parce que justement on a dénoncé la souffrance de travail des agents d'entretien par rapport au management. Et donc là on a un petit coup de pression parce que voilà. Parce que souvent quand ils viennent, la DRH, les agents sont intimidés, ils n'expriment pas leur souffrance. Donc là on rappelle que nous, syndicat Force Ouvrière, on est là, on a dénoncé cette souffrance et on attend que le travail soit fait. Voilà, on l'a dénoncé dans les instances. Vous ne faites pas partie ni du lycée. Bah si, on est agent, nous. Bien sûr, bien sûr. Mais par contre, oui, on ne travaille pas au lycée. Oui, d'accord. Mais là, on a fait une heure d'information syndicale ce matin au lycée, envers les agents, ils ont prévenu. On leur a dit qu'on sera là pour soutenir. Moi, je veux rentrer là, puis j'ai oublié mes clés. Ah, faut demander à la gendarmerie. Non, mais il y a l'accueil, là. Voilà. On demande à l'accueil.
Donc là, il y a la DRH est arrivée. Ouais, le conseil régional. Du conseil régional. Ouais. Voilà. De Dijon et de Besançon. Pour faire le point avec voilà. Les voilà. Gens d'ici. Voilà. Ils ont audité les gens. Et qu'est-ce qu'ils expriment comme souffrance? Ça reste entre nous. Au niveau du management. Un management relativement inhumain. Quoi. Les gens viennent travailler avec la boule au ventre. Il y en a qui sont mis au placard. Voilà. C'est, voilà. Il y en a qui étaient jusqu'à présent. Ils étaient super bien notés et tout. Et du jour au lendemain, il y a un nouveau chef, pseudo-chef qui est arrivé. Et ils sont mis au placard. Et personne, voilà. Ils arrivent, ils sont malades, ils arrivent pour aller travailler sur la boule au ventre et tout. Le week-end, malheureusement, ça se répertorie sur leur vie de couple et tout. C'est inadmissible. La moyenne d'âge, il faut savoir, au personnel d'entretien dans l'ICI, c'est 51 ans. C'est pas des jeunes, ce sont des agents qui arrivent là. Bonjour. Et nous, on vient les soutenir parce que voilà, c'est pas acceptable de se faire maltraiter en venant travailler parce que voilà, ils viennent gagner leur croûte et en plus on les emmerde au niveau du boulot, donc au bout d'un moment. Et puis ce qui se passe, quand tu as des audits comme ça de la DRH, les agents sont souvent intimidés. C'est ceux du siège qui descendent, c'est la direction quoi. Ouais, donc ils sont partout, quand voilà. Il y a le grand chef, on a déjà eu des audits comme ça où des gens en heure d'information syndicale, ils expriment leur souffrance, on remonte ça à la DRH. Eux, quand ils vont faire un audit, ils vont dire, on a audité les gens, regardez, rapport d'audit, il n'y a que 2 personnes sur 20 personnes qui leur ont dit vraiment ce qu'ils ressentent. Donc on leur dit, surtout, exprimez bien là votre souffrance, votre ressenti, C'est le moment où jamais bien sûr. De vider son sac. Bien sûr. C'est pas dans 3 ans qu'il faudra en reparler, c'est maintenant. Voilà, ils sont là, il faut en profiter, il faut leur dire ce qui se passe vraiment. Il y a même du chantage à l'emploi sur certaines personnes qui sont en cours d'être titularisées, et du coup, voilà. Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup, il y a quelques contractuels. Et ça, c'est un problème qui est récent. Dans beaucoup de lycées. Ça commence à devenir même. Il y a des lycées où ça se passe très bien. Je veux dire, là, pour parler de. Oh, ça fait un moment, ça fait un moment. Ça fait un moment qu'elles sont en souffrance. Ça fait longtemps. Oui. Trop longtemps. Je veux dire, c'est pas un élément récent qui fait que c'est un mal-être plus profond, on va dire. Bah d'ailleurs, pour qu'ils se déplacent, c'est que ça fait un moment que ça traîne. Ouais, d'accord, ouais, ils viennent pas comme ça du coup. Non. Et puis pour que les agents demandent aux syndicats, souvent ils ont peur des syndicats aussi, parce qu'ils n'ont pas trop envie de se faire voir, ils ont peur un peu des retombées. Donc aujourd'hui, on leur dit, il ne faut pas avoir peur, justement, c'est ensemble qu'on peut aboutir. D'accord. Au lycée Wittmer ou ailleurs, respect des salariés. 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 Au lycée Wittmer ou ailleurs,